Vous êtes prête à voir le rouge à lèvres le plus improbable qu'il soit. J'ose même pas enlever la mienne. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 20. C'est énorme, c'est absolument énorme et j'arrive pas à croire qu'il reste déjà 5 vlogmas. C'est à peine incroyable quoi, j'ai l'impression d'avoir commencé il y a 2 jours. Alors que non quoi, c'est la 20e vidéo, il en reste que 5, ça passe trop vite et je vous avoue que ça va me manquer. Vous êtes nombreuses à me dire pareil sur les réseaux sociaux et ça me fait sourire parce que ben, moi aussi ça me manquait quelque part. Mais bon, on fera un petit point d'ici là. Donc quoi qu'il en soit aujourd'hui, ben, on est dimanche, ça va mieux qu'hier, ça va mieux qu'hier, on fait en sorte. Aujourd'hui je vais filmer, ça va me changer les idées, j'ai très envie de filmer. J'avais dans l'idée de filmer un tutoriel et finalement je le ferai demain parce que c'est plus pratique comme ça, parce qu'on a des invités cet après-midi et vu que je comptais faire un tutoriel des fêtes habillé et tout avec la tenue, bon ça le faisait un peu moins. Donc pour des raisons pratiques, je vais le repousser à demain. Et donc là, je viens de terminer de filmer, il est 13h54 très précisément. Voilà, l'installation comme d'hab. Et du coup, ouais, je viens de terminer. Donc, c'était la vidéo sur les liquides suèdes de NYX. Et j'ai terminé donc la première partie, donc qui est la partie revue où je parle. Voilà. Et là, je vais filmer la partie swatch, qui est la partie la plus. Pas la plus compliquée, parce que c'est pas compliqué de faire des swatchs. C'est juste que, comme ce sont des rouges à lèvres vraiment à effet mat, il faut attendre qu'ils sèchent. Donc, c'est un petit peu plus long. Et surtout. Il y a 11 couleurs à swatcher, donc autant vous dire que j'en arrive comme ça. Vous êtes prête à voir le rouge à lèvres le plus improbable qu'il soit. J'ose même pas enlever la mienne. Tadam! Voilà. Voilà, vous m'avez dit d'essayer le violet. J'ai essayé le violet. Et c'est officiellement pas ma couleur. Et c'est bien la seule et unique fois que je le porterai. Donc sinon, il est 15h29. Et ça fait depuis ben, que j'ai commencé... terminé donc la première partie, que j'en suis au swatch. Il m'en reste un, le plus foncé qu'il soit. C'est un mix entre un bleu, gris, noir, c'est trop bizarre. Et en fait, c'est super long parce que je dois attendre que ça sèche entre chaque couche et il faut attendre entre 5 et 10 minutes. Donc c'est long, on a des invités, en fait des gens qui viennent à la maison, enfin, des gens, des amis, qui viennent à la maison cet après-midi qui sont déjà arrivés. Et j'ai trop envie d'aller avec eux, sauf que je... Inutile de me poster comme ça, n'est-ce pas? Donc je dois attendre d'avoir terminé. Donc je vous retrouverai sûrement plus tard. Coucou tout le monde, j'étais en train de mixer un truc, désolé. C'est 17h48, je viens juste de revenir dans ma chambre et de terminer de monter, enfin de monter, de publier un plan, le close-up que vous voyez des produits qui sont juste ici. Donc voilà, c'est encore, ça m'éclate les yeux parce qu'il fait vraiment nuit, il faut que je ferme les volets. Bonjour! Oh, le truc, c'est pas naturel, allez, tu recommences. Mais quoi? Normal! Salut! Comment tu me diras, moi? Attends. Toi, déjà, je t'ai dit pas bonjour. Allez, on la refait. Je suis pas. Et Hollywood. Salut les filles! C'est un peu mieux. Je sens que t'es un peu plus à l'aise. On recommence toujours avec la bûche à la main. 1, 2, 3. Hello les filles. Ouais, bon, j'aimais bien la deuxième, là, l'avant-dernière. Devine, mais oui, Mimine. Et oui. Toi aussi, t'es là. Ma chérie. Ouais, elle est plus habituée que moi. Hein. C'est clair. Eh hey, oui. Hugo est reparti au cinéma voir Star Wars. Avec Guy, Guy d'ailleurs, que vous avez aperçu lors de l'anniversaire à Hugo. C'est bien l'ami à ma mère. Et voilà, donc ils sont partis tous les deux au cinéma voir Star Wars pour une seconde fois pour Hugo et Guy sa première fois. Donc on est tous les deux et maman. Là, son amie qui vient de partir. Lydia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et puis voilà quoi. Du coup, ben, je sais pas, enfin, je sais pas ce que je vais faire si. Il y a toujours des trucs à faire. Je vais déjà ranger ça parce que c'est aveuglant ce truc. Bon bref. Et ce soir, tu sais... Hein? Tu veux pas qu'on prenne des pizzas ce soir? Moi, si t'en veux, je t'en prends une. T'en as pas toi? Non. J'en ai une pizza ce soir. Ouais. Je sais même pas montrer à midi, mais j'ai grignoté parce que j'avais pas très faim.
Je mange. Non, mais j'avais pas très faim. Donc, ce soir, je vous avoue qu'il y a une seule pizza dans la ville où je vis que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est hyper, hyper légère. Enfin, elle est super légère. Et du coup, j'avoue que le dimanche, j'aime bien. J'aime bien manger une pizza, tu vois. Enfin, bref. Je vous saoule, je dis n'importe quoi. Donc, vous savez quoi? Je vais aller valider les commentaires et je vous retrouve un petit peu plus tard en espérant devant ma pizza. Regardez qui est là. Oh, Mimi, on l'avait fermée à la véranda, la pauvre. On savait pas qu'elle était là. Oui, du coup, c'est des gros câlins là. Et Mimi, Mounette l'avait fermée. Non, c'est pas vrai, on savait pas qu'elle y était. Ouf! Allez, touffe de poils, il y en a partout. La pauvre. Mais du coup, là, elle est en mode ronronnement à fond les ballons. Et c'est 19h37, on a commandé ma pizza. Tu vas perdre tous les poils de la tête à force de te frotter. C'est un truc de fou. Putain, mais c'est incroyable. Non, mais Mimi. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Le lutin de Noël a encore frappé. Là, je prépare donc le cadeau de la gagnante d'un Vlogmas précédent. Et ça, c'est un cadeau à Ico que j'ai reçu hier. Mais voilà, hier, je n'étais pas d'humeur à emballer des cadeaux. Donc, je le fais ce soir. Et voilà, et là, j'allais écrire la petite carte pour la gagnante. En attendant que ma pizza arrive, il est 20h15. Voilà, les filles, regardez ça. Tout pour moi. Voilà. Non, je rigole. Rien que pour chouchou, hein. Ah, j'adore cette Ah, pizza, mais elle est trop bonne. elle le mérite, hein. Genre, je mérite une Et pizza. vous aussi. Tu crois qu'on peut le mettre au micro-ondes, ça? Alors, Tata Isa va vous le dire. T'as des plats? J'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un. Oh, t'as un peu ça. Non, moi, la vaisselle, ne m'en fait jamais de la vaisselle. Hein. C'est bon à savoir pour Noël. C'est quand on va manger ce rôti? Ben oui. En gros, t'as pas le choix, Guy. Celui-là, on va le garder pour demain. On dirait des petits écureuils. Bon, alors, Hugo, qui a vu pour la deuxième fois Star Wars. Je conseille d'aller le revoir une deuxième fois, car on réfléchit mieux à l'histoire et tout pour s'imaginer la suite. Et une troisième fois aussi. Oui, je pense que je vais faire troisième, quatrième, cinquième. Jusqu'à ce qu'il n'y soit plus. Voilà, c'est mon objectif. À la fin, tu vas être dégoûté des étoiles. Non, non, pas avec Star Wars, non. Non, franchement, il est bien. Coucou tout le monde, j'ai terminé de manger. Ça fait un petit moment, mais bon, on est resté à table à discuter comme d'habitude. C'est 21h39. Et bien c'est l'heure de vous montrer le cadeau du jour qui est, comment dire, un peu particulier. En fait, il se trouve dans cette trousse là. C'est une trousse qui a été argentée. Et à l'intérieur, il y a la dernière collection d'OPI qui s'appelle, je cherche le nom, Starlight, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est la dernière. Et il y a absolument toute la collection. Regardez-moi ça. Donc voilà, je vous les ai sortis pour que vous puissiez voir tous ces vernis. Donc tous ces vernis OPI sont pour une seule personne qui je pense sera plutôt contente. Voilà, et ce sera dans cette trousse bien entendu. Comme d'hab, je vous mets juste maintenant le montage gagnant du Vlogmas précédent. Et je tenais juste rapidement à vous remercier pour tous vos gentils commentaires sur ma dernière vidéo. Voilà, ça allait pas très fort. Et voilà, aujourd'hui ça va bien mieux. Vous voyez, c'est vraiment des jours... Voilà, des passades et merci beaucoup, vous êtes juste des amours, ça m'a trop touché, vous êtes vraiment vraiment adorable de vous soucier autant de moi, ça fait beaucoup, vraiment ça touche beaucoup, donc merci infiniment. Et puis de toute façon c'est pas terminé, pas encore en tout cas, donc je vous retrouve demain pour une nouvelle journée de Vlogmas. Plein de bisous.